Salut à tous, c'est Yann, bienvenue sur ma chaîne DTube. Oui, je suis en France et aujourd'hui j'ai envie de faire un vlog pour vous demander qui a bien pu vendre tous ces DTube coins, tous ces DTube pour faire baisser le prix comme ça. C'est assez impressionnant. Je regarde, il ne remonte pas, bien sûr, pas pour l'instant. DTube n'est pas encore assez développé. Pourtant, on avait une belle marge à se faire, et je pense qu'une baleine a intentionnellement tout vendu. Je sais pas qui a osé faire ça, faire chuter des tubes dans les profondeurs. Quelqu'un qui ne l'aime pas sûrement, ou qui trouve que les choses n'avancent pas assez vite, ou qui a perdu confiance et qui a tout vendu. Je trouve ça assez dommage. Il y a de l'ombre parce qu'il est 6h30, 7h moins le quart du matin. Voilà, je trouve ça assez dommage d'enfoncer la plateforme de la sorte. Alors moi j'ai investi, effectivement, j'utilise, j'ai pas encore vendu quoi que ce soit. Pour l'instant c'est du farm, hein, je cultive du DTube coin, mais j'ai pas encore vendu et je pense que je n'aurai jamais fait comme ça. J'aurais fait du petit à petit pour faire sur du long terme. Voilà, donc là j'ai mon pécule de DTube coin encore, mais effectivement je trouve assez dommage que quelqu'un ait pu enfoncer des tubes dans les profondeurs comme ça. On aimait à se dire que avec le capital de DTube coin on avait tant de pécules en dollars ou en euros, et c'est plus le cas. On a vraiment beaucoup moins. Le prix a baissé de 20 centimes de dollars à 9 centimes de dollars. C'est quand même énorme. Plus de 50%. Voilà, bon, ça se ressent sur les chiffres. Ça se ressent pas sur le volume détenu. Donc voilà, on va essayer de promouvoir des tubes pour le faire remonter doucement, tranquillement, et afin de réavoir un pécule assez conséquent. Et quand on en a besoin, petit à petit, récupérer quelques dollars, quelques euros, parce qu'on a investi et puis on utilise le système. On est là pour ça, on est là pour faire monter en flèche la plateforme vidéo et non pas pour la tuer. Voilà, donc c'est pas un coup de gueule, c'est juste une constatation qui fait que DTube a été mise à mal par une personne, je pense, qui a tout vendu et qui a baissé son prix. Je regarde le feu. Je vous dis une bonne journée. À plus les copains. Bye.